Station 14 Kilo Mike. Christophe, les 73-51 de 14 Kilo Mike, 33-01. Ok Christophe, les 73-51 de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Ah bah ça va bien, là, de mon côté là je suis au QRA, je suis installé là dans mon bar, hachi trois coups. Là tu m'arrives avec un bon 56-57, hein. Oh oui, un bon 57 là ici sur le QTH. Ouais ok, ça marche, hein. Bah écoute, moi je t'entends bien aussi. Ah, 56. C'est fort, il n'y a pas de problème. De mon côté, bah le temps est merdique, hein, merdique à fond. C'est de la flotte, un peu de soleil, de la flotte, 17 degrés. Alors, 17 degrés, mais t'as immigré au pôle Nord. Écoute, oui, c'est ça le Nord, hein, à côté de Marois. Hein. Je sais pas si tu te souviens de moi, j'étais donné rendez-vous là, sur le parking. Là. Je sais pas si tu c'est te ça. Souviens, t'étais venu me voir en moto là. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, je me souviens bien, j'étais avec la Transalp, hachi trois coups, ouais, sur le centre routier de Bordelac. Là, je m'étais garé là, sur le côté de la moto, de ton mille pattes, je veux dire. Ok, désolé, j'ai malencontreusement appuyé sur la pédale du micro. Mais oui, en plus, ton poste, je l'ai pris en photo. Ok, d'accord. Hop là, ouais, bon, c'est pas grave. D'accord, bah, ça passe bien, ça marche bien. Hein. C'est, ouais, j'étais un peu perdu aussi là de mon côté. Tu dois avoir du QRM. Ok, affirmatif, en plus il est 18h, c'est l'heure du QSO justement du canal 32 des kilomètres et puis qui est ouvert à tout le monde. Donc ça tombe pile poil, on va pouvoir lancer des appels un peu partout. Alors, en tout cas, je suis très content de t'avoir entendu, mais bon, hélas, je suis en train de faire une petite vidéo, hein, donc tu pourras retrouver les conneries que je raconte là sur la vidéo. Hachi trois coups. Et si on se recopie pas, eh bien, les 213-51 à toi, bon week-end. Il y a un coup de propague. C'est bon ça. Attention les stations en fréquence pour le QSO du canal 32. Les 213-51 à tous de la part de Dandy 33, 14 km, 33-01. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, attention Nancy pour 14 km, 33-01. Opérateur Rémi du sud-ouest France du côté de Saint-Émilion.
Attention la ville de Nancy pour 14 km 33 01, opérateur Rémi, sur le sud-ouest de France, QTH du côté de Saint-Émilion. Oui, Daniel, les bus s'adressent côté à toi, Daniel, de 14 km 33 01, Rémi. Voilà, au QRA. J'ai un petit peu de mal à te sortir, mais bon, ça va quand même. Pourtant, si, y a la propague est là, puisque là, là juste avant, il y a Nancy qui est passé. Bon, il ne m'a pas entendu. J'ai aussitôt sauté dessus, de ça, j'ai répondu, la ville de Nancy, là, de ce côté-là. J'ai eu avant ça en premier Christophe, 14 km, je crois que c'est 79,06, si je me trompe pas, là en mille pattes, qui était là-haut dans le nord de France aussi. Donc la propague est là. Mais c'est les EM qui sont pas là. Ouais. Il est pourtant 18h20, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont dû commencer à attaquer l'apéro. Hachis trois coups. Et puis bon, on attaque aussi le week-end, ça va être à mon avis encore des départs en vacances, ces trucs, ceci, cela, donc peut-être que les stations des OM sont sur la route aussi en même temps, c'est aussi possible. Si j'ai bien compris, t'es en mobile. C'est ça, Daniel, t'es dans le push. Je suis sûr qu'on entendra mieux dans la vidéo. Le vrai, c'est pour le vrai, c'est 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 le vrai, c'
Ouais, j'entends la voiture bip. Ok, merci pour le retour de micro. Eh bien, pas du tout. Les 73-51, la Moselle de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Mais j'ai rien qui passe de mon côté. La fréquence est... J'ai un peu de QRM, même s'il n'y a aucune moustache, il n'y a rien. C'est un QRM permanent là que j'ai là de mon côté qui me bouche la vue. J'ai joué un petit peu là au niveau des filtres là que j'ai autour du poste, mais bon, j'ai pas réussi à le sortir du tout. Hein. Retour Daniel. Il est là. C'est parce que... Ah oui. Qui parle. Foutu QRM de 5. On sent qu'il y a de l'activité derrière, mais bon. Ok,
Ok, vu que j'ai énormément de mal à te sortir là de mon côté, je savais pas trop si tu m'avais retourné le micro. Il me semblait bien que oui. Je suis en train de faire une vidéo également de mon côté. Je suis certain qu'on entendra beaucoup mieux dans la vidéo que ce que moi j'entends ici en réalité, quoi. Eh oui, le micro est braqué en plein sur le haut-parleur. Pourtant, moi j'ai beau essayer d'en faire autant, mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal à te sortir. Isabelle, ben non, je n'entends pas du tout, hein. C'est quand même curieux, je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, puisque jusqu'à maintenant j'ai toujours entendu, mais là ce soir ça passe pas. Et j'ai un QRM permanent de 5 là de mon côté, donc il y a peut-être ça aussi, quoi. Il semble qu'il y a quelqu'un qui chuche et qui... Je sais pas trop. Ah, ah. Ok, ben je savais pas trop si tu m'avais repassé le micro, c'est vraiment compliqué de mon côté. Et il y a eu des fois, pourtant je t'ai entendu mieux que ça, mais là ce soir, tu vois, là ça veut pas. Ça porte beaucoup plus loin, le nord de France, tout ça. Quoique là, d'un seul coup, on dirait qu'ils ont tous disparu. je sais pas trop là. C'est vrai que là c'est chiant. C'est chiant, c'est pareil, Nico qui est sur Libourne, je l'entends plus en ce moment, et Marc, c'est vrai qu'il me disait qu'il était très très pris en ce moment. Donc c'est pas évident pour lui là de moduler. C'est dommage là que j'ai ce QRM de 5, parce que là ça serait parfait, quoi. Parce que bon, si tu passes juste un chouïa au-dessus ou juste à peine en dessous, sans QRM, eh ben tu m'arriveras avec une bonne radio de 5. Mais là, c'est ardu là, de faire un QSO comme ça. Ouais. Par contre, bon, c'est pas le
Saint-Émilion, il est à côté de Saint-Émilion, Sainte-Colombe. Et Rémi, Rico, il est à Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Cassio la bataille. C'est ça, c'était Émilion Castillon. Ça passait un petit peu les 88 Isabelle. C'est passé vraiment un poil de... Non, je dirais pas quoi, mais c'est passé. Les 88 Isabelle. Quand même, ça y est. Là, j'imagine que là, tu as dû pédaler un peu plus fort pour que ça arrive à passer. Je crois que j'ai compris. J'ai compris ce qu'il y a derrière. Hachi. C'est tout? Oh, va falloir brancher le bébé là. Hachi, va falloir le brancher là pour que ça pousse un peu plus. Hachi, trois coups. Bon, ça passe un peu, ça passe comme Daniel, on va dire, là de mon côté. Voilà, je suis en train de faire une vidéo, là tu pourras voir ça là. Par contre, je suis en train de voir l'heure. Demain matin, je sais plus, 14h10, 14h15, autour de ça, debout. Alors je ne vais pas me faire plus long là dans le QSO, le temps de préparer la vidéo, ceci, cela, de la mettre en ligne, me préparer moi-même, les affaires, patins, couffins, ainsi de suite. Et ben, ça va passer très vite la soirée. Donc ça tombe bien que là ça arrive à passer un peu de ton côté, Isabelle, justement pour t'envoyer les bonnes soirées 51. Et je vais donc passer en QRT. Les 73-51, 212-88 à l'ensemble du groupe. Et merci pour ce petit QSO, mais il faut vraiment que je passe en QRT. Bye bye et bonne continuité de QSO à tous. Merci, bye. Merci, bye à tous. Demain, Daniel, je suis en 12h. Donc, je débaucherai vers 18h30 par là. Donc, si je suis en fréquence, ça sera depuis le mobile. Merci, bye à tous. Je vais du côté de Mérignac, par là-bas. Ok, retourne ça à tout le monde, il n'y a pas de problème. Et moi de même, bye, merci, bonne soirée.
Voilà, il y a ces jours-ci, là, j'ai eu un souci avec, avec mon CRT 7009. Il était parti en cacahuète. Il était parti en vrille, aussi bien au niveau calage en fréquence qu'au niveau modulation émission-réception, où là c'était devenu nazière. Alors, au niveau calage en fréquence, ouais, j'étais rendu à 400 et parfois même 600 Hz. Il naviguait. Enfin bon, bref, c'était pas ça du tout. C'est un souci que j'ai eu, il y a 2 ans, il me semble. Je l'avais envoyé à un dépanneur. Bon, il m'a remis de l'ordre dans tout ça. Plus au retour du poste, des explications sur, sur ce qu'il a fait, ceci, cela. Voilà. Et avec ça, il m'a fait en même temps un tableau qui est sur le forum, dont voici l'adresse là en dessous, là, qui défile. Voilà, donc si autrefois pour recaler un poste, ça là, pour le régler, il fallait l'ouvrir, avec ces postes de nouvelle génération, eh bien on agit directement sur le logiciel. Alors, je commence par éteindre le poste. Alors, combinaison de boutons. J'allume. Tac. Vous n'avez pas vu comment, sur quel bouton j'ai appuyé? C'est normal, je fais exprès. Je veux pas, via cette vidéo, être la cause de mauvais réglages dans cette partie-là. Quoi. Tout le monde n'a pas la science infuse. Hein. Là, pour le régler comme il faut, j'ai passé facile 3 bonnes heures. C'est vraiment du y aller point par point et tout, ça attaque. Écouter, voir ce que ça donne, ceci, cela, parce qu'en plus de ça, je l'ai fait à l'oreille. Sous mon CRT 7009, j'ai un décamétrique. Lui, je sais qu'il est bien calé, donc il n'y a pas de souci. J'ai branché les écouteurs sur le décamétrique, et puis, allez hop, je parlais dans le micro du 7009, et je voyais ce que ça donnait de l'autre côté. Donc là, on voit marqué CH, Channel 1. Alors les réglages vont du channel 1 au 15. Alors dedans, il n'y en a que deux qui nous intéressent. Alors le réglage 4, là on voit 491, ça c'est le réglage que le dépanneur a mis. Le réglage d'origine qui avait été fait mettait une valeur à 501, enfin 0501. Voilà, d'autres valeurs sur internet ont été trouvées à 485, 510, donc ça dépend du poste. Pour ma part, c'est pas le réglage que j'ai touché, car en AMFM ça allait très bien, et c'était plus en BLU. Alors vous avez vu un coup rapide pour entrer dedans, un coup long, tac, pour ressortir. Donc là, je vais sur le 6, mode USB, donc là, un coup rapide dessus, en USB, là par contre c'est moi qui ai rectifié, j'ai mis la valeur 566, alors c'est à force de chercher à droite, à gauche, tout ça, tac, voilà, avec le bouton de changement de canal, voilà, on cherche, ok. Et on écoute et on ressort de là. Ah oui, pour faire un test, là je peux toujours appuyer sur le micro, il n'y a aucune émission qui passera. Il faut à chaque valeur mise enregistrer. Alors pour enregistrer, un coup long sur le bouton de changement de canal. Voilà, on est sorti, tac. On éteint le poste, on le rallume. Tiens, on va le faire. Tac, voilà. Je le rallume. Ah, il y a du monde derrière. Et là, je fais mon test. C'est pas bon. On recommence. Voilà.
Vous n'avez toujours pas vu où je suis allé. Comment j'ai fait, je vais dire. Alors, menu 6. Channel 6. J'appuie dessus. Tac, OK, je rectifie. Une fois dans ce mode fait, je change de mode. Là, vous avez vu, la valeur est complètement différente de l'USB. Alors, en USB... je crois que je ne l'ai pas dit en LSB. En USB, voilà, j'ai mis la valeur 566. Voilà, à l'origine, c'était 792. Le dépanneur avait mis 647, qui marchait très bien, jusqu'à ces jours-ci. Donc, comme quoi, c'est faut vraiment, vraiment jouer, tester, chercher. Et là, je passe maintenant sur le LSB. Alors, LSB, voilà, pour le coup, j'ai trouvé la valeur 63. Pareil, hein, les écouteurs dans le casque, dans les oreilles. Et j'écoute sur mon décamétrique pour voir ce que ça donne. Bon, normalement, il faut faire ça avec de vrais appareils de mesure. Hein, mais bon, j'ai pas tout ça, j'ai pas le matériel, j'ai fait ça à l'ancienne. Et je pense que je m'en suis bien sorti quand même. Donc là, j'ai trouvé la valeur, je suis tombé sur la valeur 63 à force de faire des tests. À l'origine, en LSB, j'avais 0,318. Valeur corrigée par le dépanneur qui a mené à 194. Et là, aujourd'hui, 63. Comme quoi, ça a pas mal bougé quand même. Donc là, OK, j'ai enregistré tout ça en appuyant un coulon dessus. L'AM, la FM, ben, j'ai rien touché puisque mes tests ont fait que ben, c'était super bon. Donc voilà. Donc USB corrigé, LSB corrigé, les autres réglages, je n'y suis pas allé, ça, je ne veux pas faire de conneries. Je réteins le poste, je le rallume. Alors, rien qu'à l'écoute, j'avais une différence entre USB et LSB sur la sonorité. L'USB était passé, comme qui dirait, en bande étroite. Là, on voit même pas de différence. Ils sont longs. Alors, je m'étais mis sur un canal vide, mais bon, comme il y a du monde un peu partout. On ne sent même pas la différence. Donc ça, c'est nickel. On voit pas bien, mais le clarifieur, il est au centre. Ouais. Le clarifieur est au centre, c'est nickel. Ça t'assemble bien les quatre. Ah oui, non, ça d'accord. Là, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je dis ça parce que c'est une première pour moi. J'ai pas l'habitude de me dépanner comme ça. Bon ben voilà, donc ouais, c'est ces réglages usine, faut vraiment y faire attention à ce que l'on fait dedans. Hein.
vous avez vite fait de vous perdre complètement dans les réglages, voire foutre le poste en l'air. Hein. Donc là, c'est pour ça que je suis pas allé ailleurs que le réglage 4 et 6. Surtout le 6, puisque bon, c'était Cambé et Lou, j'avais un vrai souci, quoi. Donc, eh bien, voilà comment j'ai procédé de mon côté. À voir comme ça, ça paraît tout simple, mais je me suis vraiment emmerdé. Déjà, passer facile 3 heures dessus, hein, c'est que vraiment, j'ai vraiment cherché tout ça. Donc j'allais par 10, et puis bon, c'est vrai qu'on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne. Et puis à chaque fois, faut sortir du menu usine pour revenir, pour faire des essais, revenir dedans. Bon, en tout cas, je suis content, le résultat est là. Ça m'évitera de changer de poste, puisque là, bon, tout est OK maintenant de mon côté. C'est nickel!